Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez à l'écran, la TOTS Team est arrivée. Voilà, c'est la dernière TOTS dans ce défi. C'est la plus belle, quoi. C'est des cartes de folie. Je vais vous montrer ça. Hop, ultime. Voilà les joueurs. Il y a des titulaires et des réservistes comme d'habitude. Il y a du. Voilà, c'est du 95 minimum. Et ça va jusqu'à 100, comme vous voyez. Hop, regardez-moi ces cartes. Voilà, c'est les deux premières cartes à 100. Elles sont tout simplement incroyables. Mais voilà, il faut juste regarder et quand même pas toucher les gens parce que c'est beaucoup. Enfin, voilà, il y a trop de points à prendre, quoi. Enfin, il faut mettre de l'argent dans le jeu. Ça m'intéresse absolument pas, comme vous savez. Et alors là, c'est les réservistes. Voilà, des belles cartes aussi, mais le réserviste ne m'intéresse pas. Il faut. Ouais. Je suis quand même déjà des gros joueurs, donc si en plus il faut les XP, c'est pas très intéressant. Donc mes priorités c'est ces deux-là. C'est Robertson, c'est sûr. Voilà, parce que j'aurai assez les points, comme vous voyez, je suis déjà à 29 sur 35. Et si je sais l'avoir, c'est Reus. Voilà. C'est un des deux. Ce sera ces deux. Un des deux-là. Je pense que Reus ça va être compliqué, mais on verra. Voilà. On sait jamais. Mais si je sais, si j'arrive pas à avoir les 50 points, je prendrai Robertson plus des primes ou quoi. Donc comme vous voyez, j'ai fait déjà. Tous les matchs, Ultimate Match, sauf le dernier qu'on va faire ensemble. Je me suis dit pourquoi pas faire un match ensemble. C'est voilà, c'est très compliqué. Hein. C'est 0-3, faut. Il n'y a pas de prolongation. Voilà, faut mettre 4 buts. Ça va être compliqué, mais allez, c'est parti. C'est pour 5 points. Donc, je vous conseille de les faire, hein, les matchs. Ça fait des points entre guillemets facilement gagnés. Voilà, surtout que. S'il n'y aurait pas ça, on n'aurait eu aucun joueur à avoir, quoi. Ça, je vous le dis que c'est compliqué. Pourquoi ça bug? Oh là là. Oui, un petit peu de bol. C'est toute chance. Allez, directement. Allez, directement, 49e en 3. Il faut mettre 4 buts, donc il faut pas traîner. Gullit, allez hop, on remonte cette balle. Faut aller chercher Van Basten, c'est lui qui peut faire la diff. Plus que les autres en tout cas. La preuve, 55e, 2-3. Allez, on est bien pour l'instant. Il fallait récupérer très haut. Allez, bien joué Ronaldo, tu l'as. Il est parti directement. Donc, très bon contrôle. Faut directement. Ok, déjà 3-3, 60e. On a beaucoup, pas mal de temps pour mettre le quatrième. Attention, dédoublement là. Ouais, Mané va plus vite que Gullit. Ah, oh là là, c'était pas évident là. Bien joué Gullit, tu m'es revenu. Mais si on peut trouver avec Sergio. Ouais, Ronaldo, tu passes. Elle est déjà peut-être la balle de 4-3. Voilà, 4-3, 70e. C'est pas fini, on est capable de se rendre en but donc. C'est encore là, mais 30, ce serait bien. Il n'y a pas faute. Bon, d'accord. Dans ce cas-là, je vais la maner. Il faut la récupérer assez haut. Si on sait la récupérer, on part en contre. Bien joué. Il y a du monde. Allez, allez, allez. C'est maintenant. Allez, Van Basten face à Fabinho en vitesse. Logiquement, ça devrait le faire. Oh, ça va être drôle ça. Ouais, elle est rentrée. Hein. Ouais, elle est rentrée. 5-3, auto-but. C'est pas du tout ça que je voulais faire, mais tant mieux. Voilà, ça va le faire. Hein, il va avoir fini ces matchs-là. Comme je vous ai dit, hein, je vous le répète, je vous conseille vraiment de faire. Si vous voulez au moins. Si vous voulez en joueur, en fait. Hein. Si vous voulez pas en joueur, ben, ne le faites pas. C'est une perte de temps. Mais si vous voulez en joueur, faites-le. Hein, c'est des points facilement gagnés. Je pense qu'en tout, vous gagnez une petite trentaine de points. Je pense plus ou moins. J'ai pas tellement fait le calcul. Pas très bien joué. Bah, voilà, Van Basten qui reprend la balle. Bon, si on va mettre un petit 6. Ouais, non, je pense pas. Ouais, peut-être que. Si, 6-3 ou pas? Oh, la latte. Ronaldo, il peut aller la chercher. Non. Fabian. Non plus. Voilà, 5-3. Nickel.
Voilà, les matchs Ultimate sont finis pour moi. Dommage qu'on peut pas les rejouer, hein. Ce serait des points encore facilement à l'anime. C'est IA quoi. On va pas nous donner des cadeaux. Déjà ça c'est très rare ça. Franchement. Voilà, j'ai 34 points. Ouais, donc ça fait une trentaine de points, je pense. Parce que j'avais 4 points avant de commencer. On va calculer 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 21, 25 et 30. Ouais, voilà, 30 points à gagner. Juste en faisant des matchs. Voilà, faites-les. Hein. Franchement, faites-les. Si tu vas avec 30, avec ces 30 points, bah vous avez au moins Bernardo Silva. Voilà. Vous avez au moins le plus pété. Donc, ou alors quelques réservistes. Parce que comme vous voyez, les réservistes, c'est beaucoup moins cher. Là, vous pouvez avoir deux réservistes avec quelqu'un faisant vos matchs. Donc, je trouve ça très très rentable quand même. Comme vous voyez, il me manque juste en points déjà pour le 96. Voilà. Donc, je suis sûr au moins d'avoir Roberto, non, parce que encore 10 jours, j'espère avoir en points. Et voilà. J'espère aussi avoir Marco Reus. À choisir pour Marco Reus, hein, clairement. C'est un jeu en plus que j'aime bien en vrai. Voilà, comme ça, en plus, je pourrais vendre Pogba. Ce qui est le petit point négatif, c'est que la prime de Pogba est à 15. Donc, je perdrai en points de gêne. Mais bon, c'est pas trop grave. Voilà. Et ben, je pense que je vous ai tout montré. Ouais, bon, je vais vous montrer aussi qu'il y a la compétition ultime que je vais faire, mais comme vous savez, que ça va pas durer très longtemps. Voilà. Comme vous voyez, n'hésitez pas aussi à prendre des pubs, hein, c'est des points gratuits. Voilà, regardez, je suis encore une pub et j'ai déjà 300 000 crédits sans jouer. Vu mon niveau actuellement, je suis plutôt content, on va pas se le cacher. Je vais vous montrer aussi que dans 10 jours plus ou moins, c'est fini. Les tots. Et je vais faire une grosse vidéo où je vais essayer d'aller récupérer Robert Lewandowski. Voilà, j'ai 879 énergie. Il me faut entre 1200 et 1300 énergies pour y arriver. En plus de là, comme vous voyez, j'ai aussi 11 640 gemmes. Logiquement, dans les 10 jours, j'aurai passé les 12 500. Donc, je pourrais ouvrir 5 packs TOTS. Donc, voilà, grosse vidéo dans une dizaine de jours. Où on va récupérer potentiellement 2 gros TOTS. Hein. En TOTS comme ça, comme Lewandowski, et alors en TOTS ultime. Parce que, avec Lewandowski, je vais récupérer encore 32 points ultime si j'y arrive à l'avoir, bien sûr. Ouais, j'espère en tout cas. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Je ne pense pas que je refais d'autres vidéos aujourd'hui. Donc, je vous souhaite un excellent samedi à vous. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu et en commentaire. Voilà. Bon samedi à vous.